السلام عليكم طلبة الأعزاء. ألو، في هذا الفيديو هذا غنديرو واحد التمرين اللي هو واحد التمرين زويون اللي غنشوفو فيه لا ديناميك دو بوان ماتيريال مع لينيرجيتيك دو بوان ماتيريال ميلونجوهم بجوج. واحد التمرين زوين اللي نتمنى يعجبكم. ألو، نبداو نقراو التمرين على بركة الله ومن بعد نديرو لا كوريكسيون ديالو. ألو، سوا ان ريفيرونسيال او اكس يغيك زد، ان ريفيرونسيال اورتونورمي ديريكت غاليليان. يعني عندنا دابا كنخدمو دون لي ريفيرونسيال غاليليان، امور مزيانه. موني دو لا باز اي جي كا، سوا ام غران تيم لي هاد لو بوان هادي. الوغ غران تيم ان بوان ماتيريال دو ماس بيتي تيم. لو بوان غران تيم غليس سون فروتمون لو لون دو لا تيج غران تي كي تورن دون لو بلون اوريزونتال اكس او ايغريك اوتور دو لاكس او زد. يعني هاد لا تيج هادي كدور على هاد لو ريفيرونسيال، كدور بواحد لونغل في افيك ان فيتيس اونغولار اوميغا. الوغ في تيغال اوميغا تي سا مارش. الوغ افيك اوميغا بوزيتيف ام اي سومي اون بليس دو سون بوان اي دو لا رياكسيون دو لا تيج ار اون فورس اف اف سويفون اورو. الوغ عندنا واحد لو ريفيرونسيال سا مارش اورو او تيت او في او كا. الوغ هذا سي ان ريفيرونسيال سي لا باز cylindrique. Il y a la base cylindrique, ça marche. Alors head, le point M se met à trois forces. Quel est le poids d'y là, qu'il a la réaction de la tige, ou qu'il a une force F. C'est une force inconnue, mais au final sur le bas on a besoin de F tmerin. Ça marche. Alors dans ces conditions, le mouvement de M le long de la tige suit la loi M est égal à OT O. Ça fait de O 0 d'il tmerin. Attends, on a le vecteur position. Alors, parmi les difficultés de la résolution des exercices en mécanique des points matériels, on voit le vecteur position. Alors, le vecteur position, une fois que vous connaissez, alors, on va faire le vecteur de l'exercice que vous avez fait. Ça marche. Alors, T étant le temps, bien sûr, T c'est le temps, le temps, et A c'est une constante positive. Ça marche. Dans le schéma d'Yanna qui m'a cachoufo, le référentiel d'Yanna galilien, le repère, on a deux bases, base cartésienne et base cylindrique. Dans la tige qui dort avec une vitesse angulaire oméga, alors on mord bien. Alors toutes les expressions, notez bien que toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base ORO, OFI et K. C'est-à-dire, had, si, had, on dira, on s'mira EZ. Ça marche. سميوها EZ باش يكون تبقى واحد لوموجينيتي دو حيت علاش سموها هكا حيت بحال او او زد باراليل هكا عطاهم نفس النوتاسيون. سا مارش سا مارش. الوغ ندوزو لي كيسيون. لا بروميير كيسيون كالكولي لا فيتيس دو بوان ام بارابور ا ار بارابور ريفيرونسيال غاليليان اي لاكسيليراسيون دو ام دون ار en fonction des paramètres de l'exercice A et T et oméga. Ça marche. Deuxième question déterminée. Alors, les questions, quelle la question j'ai oublié, on va deux autres la question suivante. Ça marche. Alors, la première question, on a calculé la vitesse et l'accélération en fonction de A et T et oméga. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, on a déjà que OM, le vecteur position A, T suivant ORO. Alors, pour trouver le vecteur vitesse, on a qu'à faire par définition. C'est quoi le vecteur vitesse? C'est la dérivée temporelle de vecteur position en M. Mais il faut faire attention que la dérivée dans le référentiel R. C'est clair? Et dans le référentiel R, euro n'est pas fixe. Sa marche n'est pas fixe. C'est un vecteur unitaire qui est mobile dans le référentiel R. Ce qui fait il varie en cours du temps. C'est un vecteur tournant. Alors, on a la base polaire, les messieurs, c'est déjà le cours. La base polaire qui est un euro qui est un IV. De telle sorte, un euro dérivé de euro sur DT par rapport à R dans R, c'est phi point EFI, EFI bien sûr, et la dérivée de EFI sur dt par rapport au temps dans r, c'est moins fait point euro. Ça marche. Donc c'est le cours. Excusez-moi, alors je doute, c'est la dérivée de ça.
AT euros. Ça marche? Alors, on peut remarquer ici qu'on a deux fonctions, AT et euro. On va dériver le premier terme, AT, la dérivée de AT, c'est A, suivant euro, plus AT fois la dérivée de euro sur DT par rapport, bien sûr, au référentiel R. Alors, la vitesse de M par rapport à R, c'est A euro, et on va remplacer la dérivée de euro par rapport au temps par phi point ou e phi plus pardon n plus a fois t fois phi point c'est phi point et l'infini oméga. Ça marche, nous savons que c'est pour ça oméga. Il y a déjà l'exercice, c'est faites attention. Alors, dans l'exercice, phi il y a oméga t. Alors phi point c'est oméga. Ça marche. Alors on va de phi point oméga. C'est clair. Suivant e phi. Voilà, on a trouvé l'expression de le vecteur vitesse ou bien de la vitesse. Maintenant, on va passer à l'accélération du point M dans le référentiel R. Alors pour l'accélération, de même manière. Par définition, c'est la dérivée de vecteur vitesse dans le référentiel R. C'est la dérivée de ça. Ça marche. A euro plus A fois T fois oméga suivant E phi. La dérivée de ça par rapport à R. Alors, gamma. Pardon. Alors, gamma de M par rapport à R. Il y a la dérivée de l'hachi. Dérivée de A, c'est 0. Il y a A oméga E phi. Plus AT oméga, la dérivée de ça c'est A oméga, suivant E phi, ça marche, moins, la dérivée de E phi c'est moins phi point, c'est-à-dire moins oméga euro. C'est moins AT oméga fois oméga c'est oméga A carré euro. Alors, le résultat final, c'est ce qu'on y a AT oméga au carré euro, plus 2A. Oméga E phi. Aucune magane n'a remarque, quel qu'un nombre exprimé ou quel chiffre la base cylindrique, yani euro, E phi, EZ. Ça marche, j'ai oublié la question, il y en a psycho là, à travers le vecteur position, il y a un affluent aussi. Ça marche, il y a question de maths, tu as dérivé le message, il y a le courage, je crois que le résultat, tout simplement. Deuxième question, déterminer le moment cinétique en point. En haut du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps. Il y a le moment cinétique ou la dérivée par rapport au temps. Alors par définition, c'est quoi le moment cinétique? Alors c'est par rapport dans le point M, dans R, c'est OM, le vecteur OM, vectoriel quoi? La quantité du mouvement. Et P c'est MV. Ça marche? Allez-y, c'est MV. M par rapport à R. La vitesse est là ou est-ce que c'est là? La question précédente. Ça marche? Alors on va remplacer OM, elle est déjà donnée dans l'énoncé. C'est AT euro vectoriel, quoi? M fois la vitesse. La vitesse, c'est A euro plus AT oméga au phi. C'est clair? Alors le produit vectoriel, donc c'est bien comme un euro au phi EZ. Bien sûr, ce sont des vecteurs. Hadi, vectoriel Hadi, ça t'a donné Hadi. Ça marche, ça t'a donné O, OZ. O, O, O phi, vectoriel EZ, ça t'a donné Oro. Ça marche. Alors, je vois ici d'abord. Oro, vectoriel Oro. Oro, vectoriel Oro, ma kinesh. Puisque Oro perpendiculaire, parallèle à Oro, il y a le même vecteur. Yani sin 0 est égal à 0. Yani le produit vectoriel de le premier terme, Mackinge. Un deuxième terme, euro vectoriel e phi. Euro vectoriel e phi, c'est un EZ. C'est-à-dire, il y a A fois A, il y a A au carré, M, T fois T, c'était au carré, oméga au carré, pardon, oméga, non, oméga. EZ.
Là, c'est le moment. Très bien, c'est le moment cinétique. Dans le point. Alors, le deuxième terme, la dérivée de ça. Alors, dérivée de un moment cinétique par rapport au temps dans R, c'est la dérivée de ça. EZ la fixe dans R. Il faut faire attention à ça. Que EZ, c'est, il est confondu avec le vecteur unitaire K. Ça marche. Alors, K fixe dans le repère R. Alors, sa dérivée, ça va être égal à 0. Alors, la dérivée de ça, c'est 2 m a au carré p oméga EZ. J'ai obtenu la deuxième question. La troisième question. Déterminer le moment dynamique ou le moment des forces, le moment dynamique de chacune des forces agissant sur le point M. Alors, chaque force a le début. Le début, il y a trois forces. Il y a le poids, la force F et la réaction R. C'est ce qu'on perpendiculaire à la tige. Ça marche. Alors, d'abord, le moment de la force F. Bien sûr, par rapport au point O, c'est OM vectoriel F. Alors, OM, il y a AT euro. Ça fait. F, attends, on a F suivant euro. Alors, euro vectoriel euro, كما قلنا بيناتهم واحد الزاوية 0 يعني سينس 0 0 يعني هادشي كامل كيساوي لنا فيكتور نول. دوزو لو مومون دو لا دوزيام فورس لو بوا. Alors, هي او ام فيكتوريال بي هي ا تي اورو كوم داب فيكتوريال موان ام جي سويفون كا اللي هي او زد. Alors, اورو سويفون او زد شا تعطيني تفرجع شوية لور الفيديو باش تشوف تعطيني او moins E phi, moins E phi, yani moins MG AT, moins E phi. Alors, tu les moins, mal moins, je les plus, AT MG E phi. Ça marche. Pour la troisième force, R. La réaction en M vectoriel R, c'est AT suivant rho vectoriel. Alors la réaction que je compare perpendiculaire à l'aide le plan, à l'aide de la tige, il y a, on a juste les composantes R phi O phi plus R Z E Z. Alors rho ma E phi, rho vectoriel E phi, c'est un E Z, yani AT R phi EZ. AT, adna euro vectoriel EZ, il y a moins E phi. Elle est moins AT RZ E phi. Donc, on a l'expression des moments dynamiques des trois forces appliquées sur le mobile M. De là, quatrième question, quelle est qu'en appliquant le théorème de moment cinétique, trouver les expressions des composantes de R. Alors, le théorème de moment cinétique, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, théorème de moment cinétique, il y a la dérivée de moment cinétique dans le point O par rapport à R, dérivée temporelle. Ce qui c'est où il y a, ou à la somme des moments dynamiques, c'est-à-dire les moments des forces, toutes les forces appliquées sur le corps. La somme des forces, bien sûr. Parce que je vais avec F. Ça marche? Alors, la dérivée du moment cinétique, on a déjà, est déjà calculée en question 2. C'est 2 ma carré t oméga suivant ez. Et déjà, on a déjà les valeurs du moment. C'est at facteur de mg, on a le moment du poids, moins rz suivant e phi, plus at r phi ez. Ça marche? Alors, Adnan suivant EZ, nous suivons EZ. Alors, automatiquement, Adnan, la première composante est égale à 0. La deuxième composante, non, c'est pas 0, est égale à ça. Il y a une égalité entre de la composante ou de la composante. On simplifie T ma T, A ma A. Alors, finalement, on va trouver que RZ c'est égal à MG. H est égal à 0, yani RZ est égal à MG. La deuxième composante R phi est égale à quoi? C'est 2
M A 13 مع A T مع T تقلي A Omega. Ça marche. On a les deux composants de la réaction R. Ça marche. Bon, jusqu'à l'instant, qui ben d'axi, ni ben ma chiche haja mkins, si difficulté, les arbitres, tu vas le faire. Cinquième question, déterminer l'énergie cinétique du point M dans R ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans R. Alors, par définition, je crois qu'on a fait l'énergie, pardon, ma chiche, attention. L'énergie cinétique de 1 par rapport à R, c'est 1 demi M, la vitesse, le module de la vitesse au carré. Alors c'est quoi? C'est 1 demi. Déjà, c'est dans la vitesse, la première question. Il y a tous les composants de là, la composante suivante au, au carré, la composante suivante phi au carré. Ça marche? Alors, à dire l'énergie cinétique. Bon. Mais bravo aussi, ça a dérivé. On a calculé la dérivée de là. Il y a DEC sur DT, c'est ça. Par rapport à R. Alors, 1 demi MA carré, c'est une constante dérivée de la même chose 0. Est-ce qu'il y a dit 1 demi MA carré, T carré, oméga au carré. Alors, T carré, il dépend du temps. Et alors là, sa dérivée, c'est 2 T A carré, oméga au carré, fois M, fois 1 demi M. Rapide, demi, fois, la dérivée de la 0. Qu'est-ce qu'il y a la dérivée de la 0? Il y a 2 T A carré, oméga au carré, puis 2 M à 2. Est-ce qu'il y a, finalement, il y a M A au carré, oméga au carré fois t, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à R. Ça marche. Alors la question suivante, qu'est-ce que déterminer les puissances de chacun des forces agissant sur le point M. On va devoir calculer la puissance des forces. Alors on va la première force qui m'a là, la puissance de force F par rapport au référentiel R, c'est F scalaire V M par rapport à R. Alors F c'est quoi? F, F à la suivante euro scalaire. La vitesse c'est bien il y a A euro plus A T oméga EV. C'est la première question. Alors le produit scalaire, de l'belle, un produit vectoriel. C'est un produit scalaire. Euro scalaire euro. C'est un واحد, يعني F A fois 1. Et euro scalaire e phi est égal à 0. Alors, c'est euro perpendiculaire à la e phi. Au produit scalaire, ce qui est qu'on a dit, c'est qu'on a dit cosinus de l'angle entre les deux. Ça marche. Alors, θ est égal à pi sur 2, alors cos pi sur 2, c'est 0. Ça marche. Il y a un problème, il chauffe les produits scalaires et vectoriels, ils sont maîtrisés. Même si on a des difficultés. Produit scalaire et vectoriel, j'ai fait des exercices de mécanique du point matériel. Je vais vous montrer les relations, je vais vous montrer l'application. La deuxième force, alors la puissance de P par rapport à R, c'est P scalaire V. Alors, P, il y a moins MG EZ scalaire. Vitesse raïa 900 euro, pardon, monsieur Ophi a dit, euro plus AT oméga Ophi. EZ, perpendiculaire à l'Hadi, et perpendiculaire aussi à l'Hadi. Alors, produit scalaire, il est 0, je prends 0, il y a la puissance, il y a le poids 0 déjà. Alors, nous avons la puissance, il y a R par rapport à R. C'est R scalaire V. M par rapport à R, ce qui c'est où il y a R, on a juste dit les composantes, on a R rho, pardon, RZ EZ plus R phi E phi scalaire, la vitesse, la même expression rho plus AT oméga E phi. On dit le produit EZ perpendiculaire à l'objet, je sais le terme, on a R phi E phi مع E phi 0, E phi مع euro. Attendez le résultat final. C'est R phi fois AT oméga. Alors R phi, le qu'on la question précédente. On a l'expression d'elle, on a au doigt. Attendez 2 MA carré oméga au carré T. Ça marche. Il y a MG. Il y a MG, alors on a au doigt. Ça marche.
Alors on est la sixième question, maintenant la dernière question, il y a sept. Alors on applique, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de F. Alors qu'est-ce que vous voulez le théorème de l'énergie cinétique? Théorème de l'énergie cinétique, est-ce que quand on a la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps R est égal à la somme des puissances, toutes les forces appliquées sur le corps. Alors de là, on peut dire les vecteurs N, on peut dire les vecteurs N. Pourquoi? L'énergie cinétique et la puissance, ce sont des grandeurs scalaires. On peut dire les vecteurs. De là, à la fois qu'on a fait parce qu'on commence à les contrôles qui déroulent les flèches à l'énergie cinétique ou la puissance. Alors, il faut faire attention à ça. Allez-y, on continue. Alors la dérivée de l'énergie cinétique, elle est déjà calculée. On a déjà calculé la dérivée de l'énergie cinétique, c'est m a au carré oméga au carré t. Et la somme des puissances, la puissance du poids, c'est 0, plus la puissance de la force F, c'est Fa, plus la force de la réaction R, c'est 2ma, 2ma au carré oméga au carré t. Alors, c'est ça l'expression de. Voilà, lorsqu'on a appliqué le théorème de l'énergie cinétique, on a trouvé ça. Et la dernière partie de la question, c'est trouver l'expression de F. Alors, d'après cette expression, bien, cette équation, on va déterminer la force F, la norme de la force F. Alors, on a m a au carré oméga au carré t. Ah, voilà, on va simplifier a avec a, on obtient moins m a oméga au carré t. Oui. C'est une équation à un seul inconnu, c'est simple. Alors on a trouvé l'expression de f, c'est moins m a oméga au carré t. On est arrivé à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tes collègues, tes camarades. Et merci. Au revoir.